Allez, ça tout le monde, c'est Tazeric Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 23 de notre aventure 100% sur Mario Kart 8 Deluxe, les amis, 8 Deluxe, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on continue notre aventure à 100% sur les 100 cm3, les amis, parce que oui, au cas où on n'a pas encore fini, on en est loin d'ailleurs. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait, il me semble, fait la coupe et le éclair, il me semble. Donc, pas 150, 100 cm3, hein, je crois que c'est ça. Je vous ai dit, je crois 150. Donc, 100 cm3, tout simplement. Donc, je pense que vous en doutez. Alors, on va prendre notre mi habituel et tout. Donc voilà, un autre avec la petite moto archéonique. Et donc souvenez-vous, on avait terminé la coupe éclair. Aujourd'hui, on va tout simplement s'attaquer à la coupe œuf avec du coup le circuit Yoshi de la Nintendo GameCube, l'arène d'Exit Bike, la route du dragon et Mute City. Donc écoutez les amis, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Et moi je le suis et c'est parti. Alors 100 cm3, du coup ça va être un peu plus différent que d'habitude. Mais ouais, donc écoutez, hein, on va voir, hein, on va voir un petit peu. Bon bah tant mieux, déjà on va pouvoir y arriver. Alors, eh oui, du coup, logiquement, hein, Nintendo, et c'est même 100% sûr, aura annoncé du coup son deuxième vague. Alors évidemment, moi, à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, on est dans la nuit du 25 au 26 avril. Oui, alors que vous, vous êtes en juillet. Oh, ce putain de ta mère. Du coup, oui, je suis... c'est pas à vous que je parlais, hein, c'est au Roibou qui vient de me faire très mal. Mais oui, donc, pour vous, du coup, ben... vous aurez déjà eu les annonces et même les jeux et tout. Moi, ben, alors, j'ai quand même des sources qui me rapportent des trucs, hein, des trucs qui, en plus, se vérifient au fil du temps. Mais par contre, j'ai toujours pas encore de... confirmation de tout ça, voilà. Donc, voilà. Mais bon... donc vous imaginez que pour l'avoir du coup, hein, je pense que le DLC, en tout cas la deuxième vague du DLC, ben, ça sera dans un peu plus... oh, je vais pas y arriver. Ça sera dans beaucoup plus tard, voilà. On s'y attaquera, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Je préfère toujours avoir de l'avance, en tout cas, ça me permet d'être tranquille, moi, de mon côté. Ok. Merci. Hop. Ok. Allez. Allez. Oh, the mushroom. Ah. Oh. Ready. Je crois que c'est une noix Korogu en haut. Je vous jure. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai cru que c'était une noix. Ouais, super. J'ai loupé le champignon alors que je voulais déraper en le prenant. Oh, quel con. Ok. Donc là, impérativement utiliser le klaxon quand il y aura la carapace bleue, enfin s'il y en a une. Et évidemment, il va y en avoir une après qu'il y ait un deuxième éclair. J'en suis sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe en général. Alors... ok. La vitesse de pointe est un petit peu plus augmentée. Merci. Ah. Coin. Allez, oui. Ah. Comment se faire baiser en 2 secondes. Allez. Sting. On va y arriver. Ah, the blue charm. Bon bah écoutez, tant mieux. On l'aura eu. En tout cas, on aura terminé déjà sur ça. Bon. Bon. À 100 cm3, c'est toujours aussi... aussi lent, hein. Mais bon, écoutez. Il faut assumer. Après, bah, bientôt, on s'attaquera à 150, hein. Par contre, 150, ça va être une autre histoire, hein, je vous le dis. Attention. Alors, l'arène d'Extabike. Dexite Bike, moi j'ai toujours dit ça comme ça, Dexite Bike. Je crois que c'est Dexite Bike, mais moi j'ai toujours dit Dexite Bike, mais bon. Deuxième course. 3, 2, 1, go!
T'es sérieux de me faire baiser par Rosaline? Désolé pour toi, mais oui. T'es un petit peu au milieu du passage, ma grosse. Alors... maintenant. Ok. Oh, the coin, thank you. And the three banana items. Ok. Merci. Yahoo! Attention, on reste concentré un minimum. Perfect! À chaque fois que je fais une figure, tout le monde est content, quoi. Je vous jure. Perfect! Oh yeah, c'est trop stylé. Alors, on est là. Bon, ça va. C'est un circuit à même temps assez easy, hein. Wahoo! 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 Eh oui! Trop stylé! Ah bah putain! Ce circuit, on est en train de le gérer? Ah non, je pré-shot l'éclair dans 5, 4, 3, 2, 1. Éclair? Non, pas encore. Ça va. Ça va. Ils ont été gentils sur ce coup-là pour le moment. Mais bon, en général, quand il n'y a pas d'éclair, il y a des carapaces bleues. Donc, voilà quoi. Et en plus, évidemment, je me fail. Parce que j'ai dérapé trop tôt. Eh oui. Ok. Merci. Yahoo! 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 Alors, bon, bah écoutez. Très beau circuit en tout cas. Bon. Et voilà. Bon, bah nickel, on a réussi. Ouais, il nous manque du coup deux courses. Hein. La roue du dragon est Mute City, il me semble. Bon, bah écoutez. Tant mieux. Mario Kart. Et oui, la route du dragon. Eh ben putain. The Dragon Road. Magnifique. Les petits trucs. Putain, ça fait longtemps quand même qu'on n'était pas été. Hein. 50 cm cube, ça remonte maintenant. Les épisodes. Hein. C'est vrai que putain, ça remonte. Bon. C'est un vieil. Putain, c'est un truc de ouf. Ok. Allez, let's go. Ah oui. Oh, the coin, thank you. And banana. C'est un peu banana. Hop. Eh oui. Sorry. Oh, doucement, hein, Zurich. Pas des âneries. Ready? Oh, Jesus Christ. Allez. Ok, the coin. And three bananas. Non. Oh my god. C'est vrai que par contre, ce circuit, tourner, c'est chaud. En fait, le problème, c'est que je veux déraper trop... En fait, je dérape trop tôt. Parce que j'ai l'habitude de stand de base dans le Mario Kart 8 sur Wii U. À l'époque, je jouais énormément sur du 200 avec Hooper, Alexandre du 41 et tout ça. Donc en fait le problème c'est que j'ai voilà avec Mr Bowling et tout ça, Candy. Donc du coup ben moi je suis j'ai totalement mes repères. Mais parce que quand je vous dis je jouais beaucoup, on faisait comme au moins des fois ça nous arrivait à en faire 5 sessions par semaine quoi. Honnêtement, hein, 5 sessions par semaine c'est énorme, hein, mais voilà quoi. Et du coup ben l'habitude. Oh come on. Oh. Donc du coup, ben voilà, par habitude, ben du coup en fait j'ai mes repères quoi. J'ai totalement mes repères. Genre à partir du 200, faut déjà commencer à activer dès la rampe quoi. Donc le problème c'est que voilà quoi, j'ai totalement mes repères pour du 200, mais vous verrez, à mon avis le 200, je vais beaucoup mieux le gérer que le 100, paradoxalement. Mais bon, voilà, j'ai totalement mes repères. Alors sur les nouveaux circuits, sur les circuits DLC, non. Quand je dis sur le circuit DLC, je parle de Mario Kart 8 Deluxe, hein, circuit DLC, que la vague DLC actuellement, enfin actuelle non, parce que du coup, ben, ça
c'est la première fois que je jouerai en 250 cubes sur ces circuits-là. Par contre, ces circuits-là, eux, je les ai déjà fait des centaines et des centaines de fois. Je crois que ça se part même en... Ouais, honnêtement, des centaines de fois, même peut-être même un millier de fois. À 200, quoi. Donc, pour vous dire, hein, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de 200. Assez fou. Assez fou. Alors, 150, ça sera beaucoup mieux, parce que même si je dérape très tôt, à chaque fois... Il y aura un moyen de me rattraper derrière, mais bon, le problème, c'est que le 100, quand tu dérapes trop tôt, c'est trop tôt. Trop tôt. Mais bon, voilà, quoi. Mute, c'était... Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Eh oui. Let's go! Évidemment, Espire de F-Zero. On se circuit en 200, c'est indélirable. Le problème, c'est que j'ai l'habitude de 200, quoi. En plus, le nombre de fois on le faisait entre ça et Big Blue, parce qu'à chaque fois, ça a été. On le sélectionnait de ouf. Donc, du coup, à chaque fois, on sélectionne. En fait, on sélectionnait sur des circuits où ça allait très vite, vraiment, qu'on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Alors, je dis pas que sur les autres, on s'ennuie, mais voilà, vous avez compris que. On allait tout le temps sur des circuits où on allait rapidement, quoi. Par contre, mais c'est impossible, là, comme ça. Oh, bah super, alors là, je suis désolé pour toi. Oh, mais what the fuck. Mais c'est une blague, là, ils m'ont rattrapé en 2 secondes. Je mets arrêtez, putain de merde. Vous êtes sérieux, je suis deuxième. Allez. Putain. Allez. Hop. En fait, vraiment, j'ai l'habitude du 200, quoi. C'est dingue, hein. Je pense qu'honnêtement, le 200 va nous faire du bien, je vous le dis. Enfin, après, ça fait longtemps, donc... Est-ce que j'arriverai à autant le... Enfin, je pense pas que j'arriverai autant le gérer qu'avant, mais... Je pense qu'honnêtement, j'arriverai mieux à le gérer que le 160 mètres cubes que je suis en train de gérer actuellement. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. De se faire tout le temps défoncer, c'est dingue. On a zéro chat, quoi. On a zéro chat. C'est phénoménal, honnêtement. Et encore, même sur le 200, il faut pas prendre des trucs. J'ai tellement l'habitude de 200 que je prends pas les trucs alors qu'il le faut. Il le faut. Alors, 200, les trucs au milieu, ça sert à rien, je vous le dis. Vous allez tellement vite que prendre le bord, ça va beaucoup plus vite que prendre le truc au milieu, quoi. D'ailleurs, faut dans le au niveau du... 200 cm3, certains raccourcis ne serviront à rien, honnêtement. Parce qu'on perd plus de temps à les récupérer que. Enfin, à y aller que. Qu'à les prendre, quoi. Donc. Ok. Hop. Thank you. Banana. Et 6 coins. Allez. Voilà. Parce que là, à partir du 200, on peut directement y aller comme un bourrique ici. Eh oui. Oh, the klaxon. Oh. Ok. Oh, bah, écoutez. C'est fait, c'est complété. Ouf. Bon, bah, tant mieux. Et du coup, on va pouvoir voir les résultats. Bon, j'espère qu'on a Laurent A. Enfin, Laurent A, qu'est-ce que je dis? On n'est pas des Resident Evil Edition. J'espère qu'on a les 3 étoiles. Laurent A, n'importe quoi. C'est vrai, j'ai tellement l'habitude de jouer à Hyrule Warriors, c'est dingue. Oh là là. Mais dites-vous que il m'arrive de parler tout le temps comme ça. Et en fait, dites-vous qu'à chaque fois quand je fais mes vidéos, je pense à Hyrule Warriors Definitive Edition. Je suis arrivé à un point où j'ai tellement d'épisodes inactifs sur ce jeu. Que, en fait, tout le temps, je monte du Mario Kart Definitive Edition. Tout ce que je fais est Hyrule Warriors Definitive Edition à ma tête. C'est dingue, je pensais pas honnêtement que ça allait me matrixer au dans la tête comme ça. Alors, Freeze Star, perfect. Bon, écoutez, ça c'est fait. Et du coup,
les amis, la fois prochaine, on s'attaquera tout simplement au toujours au 100 cm cube, hein, évidemment. Donc il ne nous reste plus grand chose à faire actuellement. Donc on ira tout simplement s'attaquer à la coupe Triforce, une coupe très intéressante avec du coup la mine Wario de la Nintendo Wii, la route arc-en-ciel de la Super Nintendo, enfin la Nintendo, voilà, la SNES, la station Glagla et le circuit d'Hyrule. Voilà tout. Donc écoutez mes amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 23. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 24. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Et du coup, comme je vous ai dit, hein, comme je vous le dis en général, c'est un conditionnel. Tout dépend si le DLC, la deuxième vague est sortie chez moi. Et du coup, je vous fais pas des vidéos pendant 2 ou 3 mois de mon côté. Hein, parce que du coup, le temps de vous rattraper, peut-être vous, ça sera déjà sorti, pour moi non. Mais du coup, si le truc n'est pas sorti d'ici 2 ou 3 mois chez moi, ou en tout cas, je fais pas de nouvel épisode derrière jusqu'à l'arrivée du DLC, ben en fait, dites-vous que c'est, on s'attaquera du coup à une des deux coupes du DLC. Voilà, de la deuxième vague. Mais voilà, c'est au conditionnel, comme... Donc voilà, au moins vous êtes un petit peu au courant. Et donc du coup, bah, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.